Tom Cruise fait une rare apparition en compagnie de son fils Connor, 29 ans, qu'il a eu avec Nicole Kidman. Tom Cruise fait une rare sortie publique avec son fils Connor, 29 ans. Ce, après que sa fille Suri ait retiré son nom de famille lors de sa remise de diplôme. Tom Cruise et sa fille Suri, désormais Suri Noël comme elle le souhaite, n'ont plus été aperçus ensemble depuis que l'acteur a divorcé de Katie Holmes. Tom Cruise, fervent adepte de la scientologie, voulait la garde exclusive de sa fille, mais Katie Holmes a gagné cette guerre. La jeune fille a maintenant 18 ans et figure parmi les Nepo Babies les plus en vie. Selon Page 6, avec son nouveau nom, la fille de Tom Cruise et de Katie Holmes vise moins de sollicitations de la part des paparazzi. Tom Cruise fait une rare apparition avec son fils adoptif Connor. Si Tom Cruise, 61 ans, n'a pas été aperçu avec sa fille Suri depuis des années, le 28 juin 2024, la star de Mission Impossible a fait une rare apparition publique en compagnie de son fils Connor, le DJ de 29 ans. Rappelons qu'avant son mariage, qui a fini par le divorce avec Katie Holmes, l'acteur était marié à Nicole Kidman. Le couple, au cours de son mariage, a adopté Isabella et Connor à leur naissance, respectivement en 1992 et 1995. À l'époque, Nicole Kidman avait fait une fausse couche qui l'a traumatisée, comme elle l'avait déclaré au Vanity Fair en 2007. Tom Cruise et son fils Connor en toute décontraction à un héliport de Londres. Dès que Tom et moi nous sommes mariés, j'ai voulu avoir des enfants. Nous avons perdu un bébé très tôt, ce qui a été très traumatisant. Si est à ce moment-là que nous avons adopté Bella, avait expliqué la star de Moulin Rouge. Le couple a fini par divorcer en 2001, toujours à cause de la scientologie de Tom Cruise. Le 28 juin dernier, l'acteur de Hollywood a été aperçu avec son fils Connor arrivant à un héliport de Londres avant le concert de Coldplay au festival de Glastonbury. Dans les images partagées par le média britannique, on peut les voir dans des tenues décontractées.